Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Vous êtes avec Georges Mignot, donc avec Melting Prod, et j'espère que vous avez déjà réussi le dernier atelier avec le NLA, le Non-Linear Animation Tool, et que aujourd'hui donc vous allez suivre cet atelier avec grand intérêt, puisque en fait là c'est dédié aux Boids que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire le petit truc qui tourne autour de la baleine, qui donne notre environnement, ça donne vachement de vie. Et on va voir comment paramétrer les Boids. Il y a plusieurs manières. Et surtout, comment faire en sorte qu'ils aient une vie propre. Et on va voir un petit peu chaque réglage pour contrôler, pour que vous puissiez faire des variantes et puis le réutiliser dans d'autres productions. Ok, donc là je venais de finir celui-là, je fais une pause et on va reprendre le fichier précédent. Donc on est là. Donc dans notre fichier précédent, on avait fait. Oui, j'avais pas mal paramétré la caméra. Excusez-moi, du coup, j'avais fait une erreur. Donc je vais afficher la caméra. Oui, la caméra pour l'instant c'est la baleine parce que j'ai fait CTRL ALT 0. Ça c'est un bug de ma part. Et donc j'espère que vous n'avez pas fait CTRL ALT 0 à aucun moment. Là, je vais juste sélectionner ma caméra dans ma scène. Je sais pas où elle est, mais voilà. Là, elle est sélectionnée. Et je viens dans ma vue 3D, je fais CTRL ALT 0 et je réattribue à cette caméra donc son paramètre de caméra. Voilà, ça c'est fait. Donc là, j'ai ma caméra. Hop, je la sélectionne. Pourquoi j'arrive pas à la sélectionner ici? Je suis en mode pause. Donc là, en mode objet, je sélectionne ma caméra. Elle devrait être sélectionnée. GZZ. Ok, donc elle est super loin là-bas. Ah oui, c'est ma baleine que j'ai déplacée ici. Donc là, la baleine, déjà, l'objet, je fais Alt G, Alt R, Alt S. Je le remets à 0. Je relance l'animation juste pour voir. Ok, donc je prends ma caméra et je vais me mettre ici. Donc dans cette vue de profil un peu, je fais CTRL ALT. Alors du coup, je fais CTRL 0 sur cette caméra. Voilà, elle devient active. Et je viens ici, je fais CTRL ALT 0. Voilà. Ça c'est pour déplacer la caméra, excusez-moi. Donc là, on va prendre cette caméra et on va lui reparamétrer perspective et on va de nouveau ici dans les paramètres de notre caméra, on va faire les dimensions. Moi je mets un HDTV pour pas trop calculer des choses trop grandes pour moi, pour mon ordi. Et je vois si je suis bien calé là ici par rapport à ma vue. Ok. Pour pas trop non plus faire souffrir mon processeur que j'entends déjà avec le ventilo qui commence déjà à tourner, je vais me mettre ici en mode solide. Je vais changer ici. Hop, excusez-moi, j'avais pas. Je vais changer ici le mode ici, non pas matériel mais texture. Comme ça, je vois les textures. Et je vais enlever ici le wireframe qui ne me sert plus. Donc là, déjà, c'est beaucoup moins gourmand. Et donc, on avait donc notre animation qui se joue. Maintenant, je vais ajouter ici, par exemple, à l'arrière de la baleine. Je vais déplacer mon curseur, je le mets là. Ah oui. Donc je vais faire apparaître mon curseur que j'avais caché. 3D curseur ici. Ma grille aussi. Hein. Voilà. Et je vais mettre ici Shift A ou Add. Je vais mettre un mesh. Je vais mettre un plane. Ça ne change pas grand-chose. Alors ce plane, je zoome dessus avec le bouton point. Je me mets sur le côté avec la touche 3. Et je vais faire une petite rotation comme ça. Donc là, la normale, normalement, des faces, elle est par ici. Puisque l'objet, quand il est créé, Alt R, la normale, c'est vers le haut. Donc là, je tourne comme ça. La normale est dirigée par ici. Ça, c'est juste pour que mes petits poissons, quand ils apparaissent, ils apparaissent pas par là et qu'ils n'aient pas besoin de faire demi-tour. Voilà. Là, maintenant, je vais créer, toujours à l'endroit du curseur ici. Je vais mettre un petit cube. Et je vais le transformer en mini poisson. Alors, vous de votre côté, faites un super poisson. Hein. Moi, je vais vraiment pour le tutoriel, je vais faire
un vilain petit mini poisson. Donc je fais S ici. Mais je vais quand même faire un petit poisson un peu pointu. J'ai Y. J'ai Y pour l'allonger. Je prends l'ensemble A et je fais S dans les X. Comme ça, un petit poisson plat. Et ici, je fais une extrusion. Une extrusion et je fais S dans les Z pour agrandir. Et je fais S dans les X pour aplatir. Voilà. Vous pouvez ajouter des subdivisions comme ça. Si vous y ajoutez le modifieur océan, comme ça vous aurez voilà un beau poisson. Donc là je fais S dans les Z et je vais faire GZ. Comme ça je lui donne une tête de merlan, comme ça je sais pas trop. Voilà, des têtes comme ça. Voilà mes petits poissons. Donc là je vais quand même le réduire. Et je vais faire que cet objet-là, hop, là je prends ici le mode sélection, j'étais en mode curseur ici, je passe en mode sélection. Là je prends que cet objet-là, il va émettre cet objet-là. Donc je prends celui-ci, et déjà je vais le renommer celui-là, donc je prends cet objet, et là je vais dans mon outliner ici, je double-clique dessus, et j'appelle poisson, tac. Donc là il s'appelle poisson. Et celui-là, je vais renommer aussi, il va s'appeler émet, comme émettre. Ok. Et là, maintenant, je vais, dans mes paramètres de particules, ok, je regardais où j'étais placé là, parce que là, je suis à droite, là, je suis à gauche, ok, là, c'est bon. Donc là, je vais dans mes paramètres de particules, je disais, et je vais, hop, ici, ajouter, ici, des nouvelles particules. Je vais en mettre une centaine de particules. Je vais les faire apparaître à moins quelque chose. C'est-à-dire, elles pourraient apparaître à la frame 0, mais on peut aussi les faire apparaître, par exemple, à la frame moins 10. Comme ça, elles seront toujours hors champ pour faire une boucle. Et je vais les faire à les dernières, elles vont apparaître à moins 5, par exemple. Donc, à moins 10 et moins 5, toutes mes 100 particules vont être émises. Elles auront une durée de vie ici de à peu près, vu que mon animation dure 549, je leur donne une durée de vie de 600, comme ça je sais que je suis large. Ok, je peux refermer le panneau émission. On va au panneau ici. Alors la vélocité, tout ça, c'est par rapport à des particules normales. Nous on va aller tout de suite dans physique, et dans physique, à la place de Newtonian, ici, on va prendre Boyd. Ou boîte, je sais pas comment on dit. Moi je dirais boîte, c'est plus joli. Après, le poids d'un poisson, il est tout petit. On va mettre un 0,5, on va mettre un truc moyen. Voilà, faites un truc comme ça, moyen. Et pour les mouvements de notre boîte, on a ici la vitesse maximale de son transport, sa vitesse donc. Et alors moi j'ai fait quelques essais. Pour l'instant, on va laisser tout par défaut comme ça, vous allez voir, et on va faire les essais au fur et à mesure. Et si je lance là par exemple à 0, je me remets à 0, je lance et voyez ce qui se passe, hop, ça donne des petites bulles qui sortent et qui se réagglutinent. Alors c'est sympa, mais on veut un truc nous qui avance et qui soit plus cool. Et là en fait on a le truc qui s'appelle Boyd's Brain, et là en fait c'est le cerveau des petites particules. Donc on va lui mettre un cerveau. Alors, on va lui mettre un cerveau et on va lui dire que au départ, juste pour tester, on a la baleine ici, l'eau, et on va dire que nos boids vont s'approcher de la baleine. Donc là, ce que je fais, je vais dans Boids Brain, ici, et je vais ajouter ici plus, donc, je vais ajouter un follow leader, pardon, et ils vont donc suivre la baleine. Donc je vais le mettre. Je vais le laisser en bas, vous allez voir tout à l'heure pourquoi ça marche pas très bien comme ça. Et on va rectifier comme ça, on va bien apprendre le truc. Donc là, je lance ici. Donc là, on voit que nos petites particules, elles avancent. Mais regardez bien ce qu'elles font. Elles pensent d'abord à s'agglutiner, à se séparer, avant de penser à rejoindre
le leader, la baleine. Donc on va changer ici l'ordre. Et on va maintenant voir ce qui se passe. Là maintenant, en fait, elles rejoignent d'abord le leader, qui est la baleine. Bon, maintenant elles sont à l'intérieur. Hein. On va regarder ça. Voilà. Et une fois qu'elles ont rejoint le leader, elles s'agglutinent. Donc on voit bien que l'ordre ici, il est vraiment hyper important. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un objet ici à l'avant, qui va être une bulle. Icosphère par exemple, ou icosphère, voilà, comme ça, toute simple. Ah oui, elle est placée ici. Moi je vais la mettre ici et je vais dire que en fait nos poissons ils vont aller dans l'autre bulle. Donc là je prends mes particules, mon void brain, mon cerveau, le cerveau de nos particules, et comme follow leader ici je vais lui mettre la pipette, je vais lui prendre là ici l'icosphère. Donc là, hop, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont vers l'icosphère. Et si je déplace l'icosphère, elles ont envie de le suivre. Et elles vont donc aller vers l'icosphère. Et ensuite, elles vont s'agglutiner. Ok. Alors, on va voir comment faire en sorte que le mouvement soit plus naturel. Alors, tout d'abord, je vais laisser mon icosphère de ce côté. Je vais mettre ma baleine ici. En collision. Donc là, je vais dans les paramètres ici, le petit truc qui tourne là, bleu. Donc là, je vais prendre collision. Donc la baleine, elle est, c'est un obstacle. Et donc là, si je lance, déjà, on a un truc qui se passe, c'est que quand elles arrivent vers la baleine, elles doivent faire le tour de la baleine pour rencontrer l'objet. Ok. Alors maintenant, on va regarder ce qui concerne la vitesse, etc. Je reviens dans mon panneau particules, je me remets au début. Et on a ici air speed. Alors ça c'est la vitesse maximale. Ici c'est la vitesse minimale. On peut dire que bon, elles vont quand même avancer un petit peu à chaque fois. Et on va mettre par exemple 0,5, hein, toujours un truc moyen pour voir ce qui se passe. Donc là, ok. Donc là elles se séparent quand elles ont rencontré l'obstacle. Et si je bouge, elles ont une vitesse moyenne qui fait qu'elles se déplacent un peu plus en troupeau. Voilà, on va dire comme ça. Donc je reprends mon plane et je vais continuer. Là en fait, on va faire ça, c'est l'accélération maximale lorsqu'elle va. Attendez, c'est bien, je regarde la fin. L'accélération maximale de nos particules. Alors on peut ralentir un petit peu l'accélération maximale. Pour pas qu'elles aient une super vitesse en accélération, mais ici on a en fait la vitesse angulaire, c'est l'angle qu'elles peuvent prendre par rapport à leur vitesse. Si par exemple elles vont hyper vite, elles pourront pas tourner, ou on dit qu'elles pourront tourner ou pas. Donc si par exemple ici je baisse, eh bien en fait elles pourront pas tourner très vite. On va regarder ça. Ou c'est peut-être l'inverse, hein. Je ne sais plus dans quel sens ça va. Mais je vais maintenant monter ici. Vous voyez, elles prennent du temps à faire leur virage. Ok. On reprend les particules. On n'est pas obligé de cliquer ici, on peut cliquer les petits poissons dans l'air. Hein. Donc là, on a la vitesse de virage, on va dire, possible. Donc on va remettre un petit peu plus pour qu'elles puissent prendre des virages un peu plus serrés. Et là, il y a un paramètre vachement important qui est l'espace personnel en fait entre les particules. Et là, si je le mets par exemple à un truc à 5-6, alors on va tester quand même. Hop, pardon, je prends ma petite bulle pour déplacer ça. Et on a l'espace entre le flot qui se crée, entre elles. Et bon, on n'a pas encore mis collision, ne pas donner de collision entre elles, mais. Si vous voulez, là, on a déjà un espace qui est entre chaque particule dès qu'elle s'espace. Après, elle n'a pas envie de trop rester non plus agglutinée comme des folles. Bon, elle s'agglutine pas mal, mais elle garde un certain espace. Et donc, ce qu'on va faire, nous, on va augmenter un petit peu cet espace. C'est un peu exagéré, là. Mais, voilà, on va regarder à 0,8. Donc, là, hop, tiens, je fais un petit virage. Ici.
Ok. Donc là, c'est pas mal. Déjà, si on a un mouvement comme ça autour de notre baleine, c'est vachement plus plaisant et vachement plus naturel. On va déjà mettre notre poisson ici comme émetteur, enfin comme copie de l'émission des particules. Donc on sélectionne la particule. On va ici, non pas dans physique, mais on va aller dans render. Et à la place de Halo, on va prendre un objet. Et cet objet, eh bien, c'est notre fiche poisson. Ici, bam. Donc là, on regarde, on se remet à zéro. On va faire le. Ah non, ils sont tout petits là. Ils sont minuscules. Donc attendez, on va faire scale, on augmente. Comme ça. Et on va faire random scale aussi pour en faire des plus petits, des plus grands. Ok, je lance. Ok, donc là, vous voyez, on a un truc sympa. Si je déplace maintenant ma petite bulle, elles arrivent dessus. Si je déplace vers l'arrière, elles se cognent à ma baleine. Et elles essaient quand même de rattraper. Ah, c'est revenu à zéro, voilà. Elles essaient de rattraper. Là, elles se sont cognées à la queue. Et elles essaient de rattraper ma bulle. Donc pour donner un mouvement super sympa, soit vous mettez un force field et que par exemple vous mettez un force field et je vais voir ce que. Alors c'est un truc que j'ai pas testé en off mais du coup je vais le tester maintenant. Je vais y mettre ma bulle à l'intérieur alors que l'objet lui il est on a vu il est en collision. Donc je vais juste regarder, c'est un test. Hein. Donc là ce qui se passe. On va enlever ça. C'est que donc là ici les poissons ils veulent se coller en même temps à notre baleine, mais en même temps ils peuvent pas. Alors ça c'est pas mal déjà, sauf que bon ils n'ont pas trop l'impression d'avancer. Enfin si là ils avancent pour rejoindre la baleine, une fois qu'ils ont rejoint la baleine, ils vont rester un petit peu autour, parce qu'ils veulent rentrer à l'intérieur en fait, ils veulent choper la bulle. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà vraiment super sympa comme ça. Alors moi ce que j'avais fait en off, c'est que j'avais animé la bulle. Alors ça. Du coup, ça peut marcher à tous les coups. Là, c'est vraiment un cas un peu à part, avec la baleine en collision. Mais si, par exemple, vous mettez la bulle, hop, je vais mettre ici à l'image 0. On se met la bulle ici, en bas. Et on va enregistrer les mouvements. Donc là, maintenant, je fais vue de face, je fais barre espace et G tout de suite après. Barre espace, G, et je fais ça. Donc je déplace. Autour de la baleine, je tourne tout doucement. Faut aller tout doucement, hein. Enfin, tout doucement que vous pouvez. Là, je vais faire que elle se sépare un peu, elle sache. Voilà. Du coup, ça tombe bien parce que la baleine tourne et je vais revenir ici, en bas, et je vais couper. Ok. Donc là, on a enregistré un mouvement de profil et là, je vais modifier ici dans animation, dans le panneau animation, je vais simplement prendre tous les alors X, Y et Z ici de et les scales de ma bulle, j'en ai pas besoin donc je vais les effacer. Et ici, on a X, Y et Z. Et on va regarder, attendez, je vais mettre en mode ici curve, comme ça on va voir la courbe. Vous voyez, il y a une courbe qui est toute droite, et eh bien en fait, c'est la courbe parce que là, la bulle elle bouge, mais elle reste sur un plan. Donc c'est cette courbe-là. Donc j'appuie sur L ici, je fais X pour la supprimer. Et maintenant, je vais animer uniquement le profil comme ça. Donc je me mets là, je me mets dans la vue de profil, je mets une clé ici, je vais appuyer sur I. Ensuite j'avance. Là ici par exemple, je me mets là. Donc là ça fait ça. Donc là ça fait ça. Là ici, hop, je vais me mettre devant, donc là ça fait ça, elle tourne autour, hop là ça descend, et là, ok je vais avancer un peu, ok, et là je vais reculer jusqu'à peu près ici, où je fais une copie de l'endroit où elle était au départ, ici, Shift D, GX, et je la mets à la fin, ok donc là, hop, elle va se replacer à peu près où elle était au début. Voilà. Et donc là, je vais cacher ma petite bulle.
Tac, ici, l'icosphère est au rendu et à la vue. Donc maintenant, je vais mettre un affichage même flat en texture, comme ça, pour voir l'animation simplement. Et vous voyez, il y a une interaction avec la baleine, mais là, elle ne se sépare pas assez. Je vais faire qu'elle se sépare un peu plus au départ. Alors pour ça, bah c'est un peu simple, mais voilà. C'est, vous allez au départ ici, à l'émission des particules. Donc je vais sélectionner mais mon émetteur. Je vais dans mon panneau particules ici. Et au lieu d'émettre de moins 10 à moins 5, je vais émettre de moins 100 à 0. Comme ça, ça va émettre petit à petit. Et ici, pour la vie, bien sûr, ben, là, du coup, je rallonge, je mets 600, je mets 700. Voilà. Donc là, nos particules, elles sont émises un peu plus petit à petit, ce qui fait qu'elles vont arriver à des distances un petit peu différentes. Quoique, elles sont quand même vachement, vachement agglutinées. La source, ici, eh bien, on peut mettre random dans l'ordre au hasard. Et on peut aussi... ici, pas dans le cache, dans les physiques, jouer sur le poids, les machins, et regarder un petit peu comment ça se passe. Donc l'intérêt, c'est déjà de voir un petit peu les options du panneau de nos particules Boyce, mais également de comprendre qu'en fait, le brain, le plus important dans le brain Boyce, le cerveau de nos particules, c'est l'ordre. C'est l'ordre dans lequel elles vont être ajoutées, elles vont être posées dans notre brain. Alors là, je vais regarder dans physique encore, je vais regarder dans les mouvements. Et là, dans les mouvements, on va peut-être Air Personal Speed, on va augmenter un petit peu encore. Et on va faire en sorte que le virage soit plus serré. Donc j'augmente un petit peu ici pour que le virage soit plus serré. Donc là, si vous voulez, elle arrive mieux à suivre directement la bulle. Elle fait des virages plus serrés, puisque j'ai augmenté ici. Angular vitesse truc. Voilà. Et maximum accélération, je vais ralentir un petit peu ici. C'est en gros la vitesse moyenne de l'accélération. On va regarder. Et celles qui vont moins vite, je vais les ralentir un peu. Et on a un truc qui est déjà vraiment pas mal, à mon sens. Moi j'aime bien, et le fait que par hasard ça rencontre l'aileron de la baleine, ça apporte quelque chose de sympa. Après on a les paramètres ici de bagarre, en fait c'est au départ, on donne au départ de la particule la puissance qu'elle a de combattre, sa santé, sa puissance de combat, son agressivité, etc. Donc après je ne suis pas sûr que ça joue dans le paramètre qu'on vient de rentrer, parce que j'ai l'impression que ça c'est uniquement de particule à particule, enfin, si quelqu'un peut... me contredire, je suis partant du coup parce que je connais pas exactement les paramètres ici de bagarre de la particule. Après on a MISC ici, la hauteur, le pitch, et je pense que ça joue aussi avec le battle. Ok, et voilà, et c'est tout pour cet atelier. J'espère qu'il vous a plu, parce qu'on arrive quand même à faire des trucs vachement intéressants. On a aussi le panneau relations ici entre, je crois que c'est entre les objets et les particules. Donc il faut rentrer des objets avec des particules pour voir si les particules entre elles peuvent se toucher et quelles relations elles ont entre elles. Et donc vous voyez, le plus important est ici, dans le Boyd Brains. Tiens, je vais regarder ici distance, qu'est-ce que ça donne. J'avais pas regardé ça avant. Le petit panneau distance. Il n'a pas l'air de changer grand chose ici. En tout cas, moi j'adore, moi je kiffe ce module. Et Blender, voilà, c'est hyper puissant. J'adore Blender. Voilà, ça fait un moment que je travaille avec Blender. Enfin, je fais surtout des animations avec les jeunes. Mais pouvoir bosser sur une production, ça me plairait vraiment, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, en ce moment, sur notre Discord, on est en train de travailler sur une petite production de 120 secondes. Et sur un univers un petit peu fantastique, futuriste, une pensée vers l'environnement, et je pense que ça peut faire un court-métrage assez sympa. Donc on a 40 jours pour le faire, et donc vous verrez les avancées de notre court-métrage
et sur notre Discord si vous venez nous suivre sur Discord. Et on pense faire peut-être une petite page internet pour montrer tout ça. Voilà, en attendant, notre atelier est terminé. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon blends. À la prochaine. Ciao, ciao.